Salut à tous, c'est Marcus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ark Ascended en solo. J'espère que vous allez bien. Du coup, on est parti avec l'épisode. On va faire le broyeur, faire des climatiseurs pour les œufs. Et on va aussi terminer l'enclos sous-marin. C'est parti. Parce qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Donc du coup, on va quand même crafter ce machin-là. Comme ça, on laisse de la place pour passer là-bas entre eux. Après, il va nous donner du métal et plein de trucs dans le voisin. De toute façon, on peut récupérer les objets, donc on va mettre le grinder là. Et en gros, voilà, on va mettre tout ça dedans. Il n'a pas besoin d'électricité. De toute façon, même s'il a besoin d'électricité, en gros, on s'en fout. Alors, il peut faire aussi, c'est vrai qu'il peut faire du branchage avec le bois et il peut faire du silex avec la pierre, ce truc-là. C'est juste. Nous, ce qui nous intéresse, après j'espère qu'ils n'ont pas enlevé hein, ça, tous ces trucs là. Et on fait grind all item. Ah ouais, ça le fait d'un coup maintenant. Ah, je m'attendais pas à ça. Et du coup, voilà tout ce qu'on a récupéré de ce qu'on venait de mettre. Ça fait un peu de métal. Du coup, tous les objets qu'on n'utilise pas, ça fait de la fourrure aussi. Je sais pas sur quoi on a récupéré de la fourrure, mais on l'a récupéré. Un peu de chitin, on va le mettre en off. Mais du coup, en soi, voilà, le plus intéressant, c'est quand même ces choses-là. C'est quand même pas négligeable, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie des murs que j'avais crafté et je vais faire un peu le tour. Voilà, 43 murs, ça devrait être pas mal. Et je vais faire un peu le tour pour reboucher tous les trous. Aussi petit qu'il soit, je m'en fous. Même ça, parce que j'ai pas envie. Bon, là ça va. J'ai pas envie que mes dinos se fassent tuer, tout ça, parce que j'ai pas voulu reboucher un mini trou ou quoi. Encore une fois, aussi petit qu'il soit. Je vais le reboucher. On aura rebouché vraiment tous les trous. Donc si j'ai encore un dino dans ma cour, c'est qu'il a spawn dedans. Voilà, il y en a plus de ciment pour faire ce qu'on a besoin. Il faudra aller farmer bien évidemment les perles noires aussi. Ça c'est encore autre chose. Il en manque que 40, donc en vrai, enfin, j'irai bien les farmer là maintenant. Je sais plus ou moins où aller les farmer en soi. C'était pas ça qu'on était venu faire, mais on va en profiter. Il est bugué, il nous attaque pas. Mais du coup, tout ce qui est en métal que les alpha ils nous donnent, même si on n'en a pas besoin, en soi, ça va dans le grinder et ça nous donne du métal qu'on n'a pas à aller farmer. Donc, mais en soi, il nous a même donné. C'est vrai qu'il nous donne les ailerons de regain de mégalodon aussi, donc pas mal. Et ça c'était une des grottes sous-marines. Voilà, ça bug, c'est magnifique mais ça bug. Où il y a plein de perles de silice, il y a du pétrole. Peut-être pas celle-ci où il y a le cristal. Non, celle-ci c'est où il y a le pétrole. Et normalement voilà, il y a une note. Celle du Triceratops, c'est juste. Du coup, il y a une anémone rouge devant l'entrée. Donc, du coup, ça veut dire qu'on est en bas dans le fond. Ouais, en vrai, ici, il aurait pu y avoir des écrevisses. Ah, ben, il y en a là. Voilà, après, faut faire gaffe parce qu'ici, il peut y avoir tout un tas d'autres bestioles. Voilà, c'est bien ce que je dis. Par contre, les crevettes. Voilà, c'est les électrophorus malheureusement, ça va être un peu relou. Et du coup pour aller rechercher mes cadavres de. De crevettes, ça va être chaud.
Je vais essayer de bouffer le cadavre de crevette que j'ai tué là. Que je le retrouve. Voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression. Oh, j'étais coincé. J'ai l'impression que. Elles vont se faire bouffer avant que ce soit moi qui ne les bouffe. Là, il y a une crevette qui me tourne autour. Je sais pas où elle est, celle que j'ai tuée. Ah mince, je l'avais tuée celle-là. Voilà, on est bloqué. C'est la merde. Voilà, c'est la merde. Ils nous ont bloqué dans le fond de la map, quoi. C'est sérieux? C'est le requin qui nous bloque, quoi. Allez, débloque-toi! Ça, c'est abusé, quoi. Allez, débloque-toi vite. On est bloqué dans quoi là? Sérieux? Oh là là! Oh là là! Sauf qu'il peut! C'est dangereux! Oh le Sarko là il a... Oh j'ai eu trop de la chatte de pouvoir m'en sortir hein. Heureusement qu'il avait 7000 PV et qu'il tape quand même le bordel hein. Et que j'ai pas eu plus de trucs que ça hein, parce que... Bon. Bah, c'est juste abusé ça, de se faire bloquer comme ça parce qu'il y a un truc au-dessus de nous quoi. Du coup, on va sortir de l'eau. Alors le pauvre Sarko, il lui reste 1000 PV. Et il a même pas... J'ai même pas récupéré de perles noires sur les crevettes au final. Salut Dono. Ouais, toujours dans cette construction. Bah, ça avance. Regarde. Si on allait un peu plus en l'eau, voilà. Tout le côté par là est fini. Ce côté-ci, bah, du coup, vu que j'ai fait une ligne sur deux, elle fait à moitié. Et il restera ce côté-là. Bah, let's go. C'était donc assez. Enclos terminé. Enfin, presque. Avant qu'il soit terminé. Il va falloir quand même faire un truc là-bas dans le fond. Je vais aller avec les murs que j'ai là en vrai. Et là, il va falloir mettre des plafonds. Là, pour le coup, on va se mettre dans le coin là-bas. Bon, c'est... J'avoue, c'est pas très beau. Une fois qu'il y aura des dinos, on fera un peu plus abstraction de ça. On fera des paliers à certains endroits pour poser les dinos qui restent à l'endroit où on veut. Mais au moins, on garde un peu. On a un grand mur, mais on garde un décor pas trop moche de ce côté-là. Comment dire? Ça, c'est de l'enclos sous-marin. C'est encore une bonne chose de fait, ça. Il faudra peut-être que je remette 2-3 murs là. Je vais le faire tout de suite. Tiens. Tant que j'en ai. Histoire qu'on n'ait pas un truc qui vienne de par là. Hop. Voilà. Vraiment pour être sûr. Comme ça, ça devrait le faire en soi. Voilà, ça c'est déjà pas mal. En soi. Et maintenant, on récupère le mur. Ok, c'est un cube. Là aussi.
Et là aussi. Voilà, on pourra juste pas les faire éclore. Aussi. Et les boules de cristal. Bon, et ben voilà, moi je vais continuer à faire descendre le niveau d'incubation, le temps d'incubation plutôt. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de regarder ça, ça servira à rien. On a fini l'enclos, on a mis de quoi faire éclore les œufs avec les climatiseurs, on a mis le grinder, on a vu que c'était rentable. On a failli mourir en allant chercher des perles noires pour faire le bateau à moteur. D'ailleurs, ça, il faudra toujours aller le faire. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!